Bah personne. Bah ouais. Et c'était un mec, et ça a duré 6 mois, et depuis plus rien. Donc, Non c'est parce qu'après il arrive plus. Parce qu'il y a des méta ou d'autres et bon. Mais non elle est très bien. Allez. Lucianne Nami, et voilà, Lucianne Nami ça flop évidemment. On sait pas le jouer en Europe. À partir de là, ça flop. Ça... Bah vas-y, si tu vois une fois où Lucianne Nami a marché pour les Européens, l'international, et bah tu verras, le chiffre sera de 0. Et, bah non, on parle en contexte pro, on parle pas en solo. Bah ça marche pas. Ça marche pas en pro. En Europe, en tout cas. C'est les mecs qui gagnent la lane et après ils sont explosés parce qu'il n'y a pas de DPS. Oh ça passe pas grave. Bon bref, on a bien parlé lol et là on va partir. Et bah on partait sur cette mid-mid, là pour l'instant on se sort plutôt bien, quoique dans ce combo connecte pas. Up tilt, on était très patient, la big hard dodge s'est puni, c'était comme puni avec, je trouve, beaucoup de gentillesse. Et là on se prendra juste ce big megawatt dans les gencives. Et Osmi qui. Dans son stock derrière, ouais, 35% déjà de manger avec brin, bras 2, Brasil, les problèmes. Ok, side B. Oh oui, alors là par contre on a explosé le shield de Taco, on n'avait pas vraiment d'option. Ce B qui est bien contré la part de Taco, hein. On s'y attend. Les lance-là, elle est bien trouvée, cette diète d'attaque si ça évite que ce soit le yo et qu'on perde la stock. Falling upper, ça tuera pas, hein. Je pense qu'on a genre 3% trop. Le snapback qui vient de faire une dinguerie à Osmi. Les problèmes. Les problèmes côté Osmi, on prend la stock, 47% cependant. L'adaptation, le temps de tour et tout ça, bras 2, 70%. Si on prend Megawatt ou un gros dragon, on y meurt. Je crois entendre derrière que c'est Excel qui l'a emporté. Et du coup quand j'ai lancé Excel, il va pop-off de zinzin. Excel. Ouais, je le dirais, il sera ravi, je pense. Excel. Top 4. Putain quel homme. Et voilà son style battu. Je sais pas en vrai. Je pense. C'est tu pas. Je pense vraiment que le matchup doit pas être si horrible que ça. Bah normalement je pense quand t'es offstage. Oh non mais quand t'es offstage tu peux plus faire mini. Oh non, il aurait dû passer, je pense, c'est lui. Moi je maintiens que le offstage avec Ness, tu peux te régaler. Mais par contre, peut-être le neutral peut être pas évident. On a bien explosé le shield, on a pas pu faire grand chose, Taco. Et là, mec, je vois là. C'est trop smart. Je sais pas s'il a fait exploser. Oh, oh, et c'est la mort. C'est lui, c'est lui d'air. J'ai reconnu. Je sais pas s'il a. Bah, ça reste très malin. Bah, y'a du lag.
Il a tout compris. Ah, ça, c'est un mec qui aime le foot. Et ah, on prend le Game & Watch. On interdit. On interdit. Écoute, si Glim se passe pas une Game Watch si, du coup bah on a plus droit d'utiliser le projectile côté je sais pas. C'est le pouvoir magique de NES. Tagmo on a plus droit de 7 billes ni de billes, hein, on est d'accord. C'est NES trop magique. Bah bon, hormis sur les aérios mais. C'est pas de la magie, c'est des gens. Oui, ça n'a rien à voir, c'est pas de la magie. Non, je suis très curieux de voir comment ce jeu match-up et comment il s'appréhende. Poisson. Tu es dans la cuisine, tu bouffes ce que je prépare, aurait dit un grand compositeur du nom de Caris. Bon smash, up smash, shield, up B, bombe, fer, bon smash, up B. Il y a beaucoup de mots. Oui. Ah, remarque, ça c'est très pratique. Allez, j'en demandais un. Oh ouais, on l'a bien trouvé par contre ce up smash auto frame. On l'a bien mangé et c'est très bien trouvé. Il est bien trouvé Zoyo, 10%, excusez-moi, je dormais un petit peu, j'ai droit. Je suis en joueur en même temps. Ce premier air qui touche, la bombinette cancel partenaire et Ozmi qui revient complètement dans le match. C'est vrai que déjà Ozmi qui a fait un bon comeback hein, sur la game 1. Un petit peu de temps d'adaptation entre les games. Ça joue. Tout ça mine de rien, ça joue. Ok, side B, on peut le faire ce side B par contre sur les post-sky. Faire side B, la bombinette, on regarde les pourcents, ce shield qui a été manié très longtemps, hein. C'est vrai que là le grab paraissait assez évident. On a tenté le dunkmash. Oh, par contre on a le saut qui est bien chargé côté taco, ça peut partir très très vite. Bah plus qu'un pro jouer et on peut se régaler. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que mais en fait si Ness est offstage, genre tu vois qu'il a plus de saut. Oh et là c'est, bah là on est mort. Ça brise shield où il meurt là je pense, non. S'il meurt il le garde, non. Il a loupé le saut. Le saut était cancel, ça n'a pas touché à rien du tout. Coup de chance, hein, là je pense que c'est vraiment. Ouais, à rien, genre ça touche à rien, mais à rien du tout, hein, ça touche pas. Hein. Coup de réussite pour Ozmi. Ozmi qui bien sûr prend, on est ravis, on est heureux. Et bon, ce back air, grande zone, létale, multi-hit, sexy, fait le café, les pipes, le dossier, remplit votre fiche d'imposition. Il est bien ce back air, il est bien. Ah, dommage, ça ne touche pas, c'est grave. Non, il tape bien. Taco qui pour l'instant garde ça à peu près even, hein. Là, on est juste écrasé sur ce shield. Oh non, j'ai des pourcents. 70%. Cependant côté Taco, là sur peut-être une bonne phase d'Ozmi, on peut trouver sa stock. Back air, et là bah, sur un deuxième back air, quelque chose comme ça passe. Oh elle est bien trouvée, ça bait le saut, on en fait rien de ce bait. Et là ça tue par contre, c'est pas trop, non. Ouais. Ozmi impériable, donc sa dernière stock qui n'a rien laissé transparaître. Sauf que là on va prendre un pyramide tronc. Est-ce qu'on les lance direct ou on fait nous une demi-finale? Comme tu veux. Je crois que Ozmi part dans une heure donc faut voir. Oui. 2-0 pour Ozmi. Je sais bien. Et je l'ai dit avant en plus. J'ai dit je pense qu'on va prendre le dernier personnage donc. On aura fait toute la line-up, on aura tout essayé pour l'instant. Sauf que Ozmi connaît-il le match-up Ozmi il a pu s'entraîner peut-être avant contre Kalisto. Peut-être contre Atlas un petit peu, ça peut jouer. En online bien sûr, hein, certainement. Salut c'est Chariot, bah non, c'est Grand Radiateur. Non, Chariot tu me prends un peu pour un con là. Eh, franchement, mais ces gosses là, ça le bug de français, ça sent plus pisser après. Non bah on aurait bien joué 15 et 15, comment dire, félicitations mon grand, félicitations. On aurait pu faire mieux. Comment Ozmi s'est fait enlever par Selashie? Selashie t'es connu de moi, bah en vrai, première game Snake, bon il s'est SD.
Mais les deux autres diams étaient très propres, c'était une bonne maîtrise de Selassie. Et il adhère pas mal de fois, et mine de rien, bah sur un S, ça joue quoi. Non, je t'assure, ça c'est vraiment bien passé. Et ouais, choc barre de Béziers. Selassie hier, autant soirée, a dit de maintes reprises, demain je gagne la weekly, donc... Je pense que ça veut dire que... Ah mec, tu l'as vraiment dit 26 fois. Ouais. Moi, mais voilà, c'est juste que Selassie de Dunplay, il gagne. Bizarre. Voilà, je dirais pas qu'il y a un lien de causalité, mais je dirais qu'il y a un lien de causalité, mais... Ah merde, je l'ai dit. Attends, la dash attack à 72% ne tue pas. Ça reste bizarre. Hein. Ok, par contre, on a trouvé une petite phase côté Osmi. Non, cette vie touche pas quoi. Clairement plus de létal si on arrivait à choper la cette vie. Comme avec Cliffree pour Charles et Ariel Magus. Ouais, c'est ça, mec. J'aimerais bien, mais c'est non. Le problème, c'est que moi et Selassie, dès qu'on se croise, on est trop heureux l'un et l'autre. On joue avec le sourire. On est heureux du personnage de l'autre. On est là. On passe sort toujours des très mauvais moments. Enfin, de très bons moments. Ma langue a fourché, excusez-moi. Enfin, voilà, on adore. Oui, vraiment, hein. Je pense que je vais faire une tier list. Je mettrai le sexe mid, tu vois. Et un affrontement de Selassie, je pense. Ça va, moi ouais, ça va, top tier. Pas high tier, top tier, hein, je dis bien. Oh je pense que c'est comme Meta Knight, tu vois, ça a son propre tier. C'est réécoute les gars avec Metal dans la vie. Oh, boom! On était meilleur. Up smash, up B, on a tué. 144%. Taco. On se déteste pas, hein. Par contre, Taco qui visiblement connaît une team spéciale pour maintenir les pyramides en vie jusqu'à 150%. Parce que deux stocks deux fois de suite, ça fait beaucoup quand même. Aïe 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 aïe. Par contre, ce upper qui n'est pas trou, hein, bien évidemment. Oh, quoi, Z-Axis 2. Putain, Osmi, mais quel talent, quelle maîtrise, franchement, des hitbox. Quelle maîtrise du Z-Axis, on avait tout. Et là, on va tenter un dare, bien évidemment. Mais bon. Osmi, on est quand même pas trop con, je veux dire. On a quelques bases, on a passé le pack de français, enfin. Bon, on l'a pas passé en plus, je crois encore. Putain, c'est l'année prochaine. Oh, attends, l'épée. Non, c'est bon, on a gardé le saut, heureusement. C'est vrai qu'on doit connaître comment c'est COD. C'est mon upset du semestre, celle-là. Ouais. Oh, le smash directement. Et là, Pyra, les problèmes. Saut. On fait la bille bien bas. Oh, mais il est trop bas. Non, mais c'est. Qu'est-ce que c'est que ce travail de sagouin, hein. Franchement. Bah en vrai, la maîtrise de Taco, on a survécu à 255% sur les deux premières stocks. On a mis les F-Smash quand il fallait mettre des F-Smash. On a fait des donneurs quand il fallait mettre des donneurs. On a fait des tâches attaques avec. Putain, ils sont fait un opening. Et là les amis, pendant ce temps sur League of Legends, 1-1 entre GX et Fnatic. Je prie de toutes mes forces pour le downfall de Fnatic. Oui. Parce que clairement Fnatic passe pas, il saute devant tout le monde, hein. C'est dire toi que c'est mon grand jeu, hein. Dès que Fnatic perd, j'envoie un DM. C'est que de l'amour. Ça va, après elle va se faire casser la gueule par jeu de vie, mais... je compense ma frustration comme je trouve. Side B. Qu'est-ce que... Ok, le combo qui est pas passé pour des raisons très très mystérieuses. Side B. Le fer, mais oui, la spot dodge qui est trouvée. Et par contre, des big air dodge in the Osmi, faut vraiment corriger ça. On mange sur les smash, et par contre, là, la première stock qui part vite. Hein. Première stock, là, on prend un smash, on prend quelque chose d'un peu malheureux côté Osmi, et on peut se. Oh, oh, bien trouvé. Est-ce qu'on peut remonter côté Taco? Bien sûr qu'on peut remonter grâce à ce B, on enchaîne avec un deuxième back air. Là, par contre, on n'a pas grand chose. On se fait tout limp une fois. Ah, ça touche, hein. Bien joué par contre d'Attaco, bon mix-up. On saute, on side B, on est heureux. La vie est belle, dans le champ, le soleil brille. C'est le douanier Rousseau. Il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco, donc forcément. Et là par contre, ça tuera. L'origine spéciale Pyramitra qui s'arrêtera. On meurt à 130%, 20% plutôt que d'habitude. Une folie. Quoi? Ça shield poke, mais bien sûr que ça shield poke, mais c'est dégueulasse. Le up B de Pyra shield poke. Première fois que je sais même pas. Voilà. J'ai dit, oh, il y a un peu de racisme, un peu de. Non, mais. Non, mais comment ça. Comment. Non, chef. Comment ça, spot dodge, air dodge sur le côté, into S-mash, et c'est passé.
C'est pas normal ça, c'est... Ok, F-throw, c'est bi. On trouve ce premier fer, hein. On tente le deuxième. Oula, ouais, bah oui, en vrai je comprends le smash, il aurait été... Oh le up B, en vrai c'était pas mal. On profite du fait d'être screen pour descendre à pleine vitesse. Le backer malheureusement qui ne trouvera pas Rosmi, on prendra même un méchant trade. Et là on se trouve à des pourcentages even pour les deux. On reprend Mitra, on repart à pleine vitesse. Et là par contre ça va tuer je pense, hein, c'est pas trop. Bien évidemment que ça tue 100%. Après ça peut aller très très vite, hein. Voilà une tâche attaque. Là je pense qu'on peut prendre Pyra, on peut prendre n'importe quoi. Ou même sur un smash un petit peu chanceux, ça touche. Smash tonton de, du côté de Taco. En vrai que ouais, ça qu'avec Mitra il doit pas avoir des masses de kill move. Même le smash n'est pas létal, alors que là côté Pyra, respirer est létal. On a le neutral B, on a le B, on a le smash, on a le côté B je pense pas, mais... On a le backer, on a le fer, on a la dash attack, enfin voilà, on a à peu près tout qui peut tuer. Sauf bien évidemment les deux seuls hits qui pour l'instant toucher CRC, ce down tilt et ce side B. Rosmi très patient. On essaye juste de gratter des pourcents de manière très safe, avec des projectiles, avec des choses comme ça. On essaie de gratter 20, 30, 40%, des petites choses sympathiques. Ça se passe comment ici, diplomatie? En vrai ça se passe bien, le seul problème c'est que j'ai pas de stage, enfin genre... En termes de notes, tu vois, genre c'est validé, mais vu que j'ai pas de stage, bah il sera pas bon. Ou genre il y a des chances que, tu sais, genre je m'inscris l'année prochaine, j'aurai aucun examen à passer. J'aurais juste envoyé un papier en mode bah voilà les gars, je fais un stage, une alternance là, et ils vont être en mode ah d'accord, carré, je dois attendre un an avant d'avoir le papier. Genre c'est comme si t'avais ton... je suis en train de chercher. Bah tu vois, genre, bah, t'es en 3ème, t'avais un stage, tu sais, t'avais un stage à faire là. T'avais peut-être un stage de 3 jours, je sais pas combien de temps c'est aujourd'hui, je crois que c'est 3 jours quand même. Bah c'est vraiment comme si t'avais toute ton année, tout était validé, et juste bah c'est pas valide parce que t'as pas fait tes 3 jours de stage chez Monsieur Libraire. Bah c'est vraiment la même chose. C'est bon, je viens de faire un petit cast à l'arène, je peux donc reprendre le breakcast. Et voilà, on fait la spéciale Pyra, des DR sur plateforme. Impunissable, infranchissable, insectionnable, insexissable. On a roll out, on meurt pas, très peu de choses côté Osmi. Il faut remonter maintenant, Osmi. Osmi revient. Oh, ça passe. Oh, la dash attack qui déconnecte. Le plus grand malheur d'Osmi. Un amené d'espace et le temps. Un vaisseau s'en vient, Osmi. Oh, oh, ouh. Osmi revient. Non, on a pas attaqué la même chose. La même situation, mais sans l'attaque cette fois-ci. Ulysse 31, pour ceux qui ne connaissent pas Chariot, bien évidemment, je sais que tu ne connais pas car tu as 15 ans donc c'est beaucoup trop vieux. Quoi, Chariot a 15 ans? Il a tellement grandi. Il avait 5 quand il a rejoint la commune Smash. Non, il a 15 ans maintenant, c'est vrai qu'il grandit vite. Hein. Je te laisse mettre ce pur banger, Chariot, sur YouTube. Tu mets Ulysse 31 générique. Je te jure que c'est un pur classique. Et si lui-même tu veux te faire dessin animé, je t'en prie. Hein. Ça reprend tout le mythe d'Ulysse, mais dans le futur, donc vaisseau spatial et tout autre truc sympathique. Excellent, excellent dessin animé. Avec Nono le petit robot par contre. Et ça c'est Stadler Blunger, c'est la présence de Nono le petit robot. Non, c'est juste qu'en fait... Non, ça reste gaze. Voilà, c'est plus ce que j'allais te dire. Ouais mais tu vois, regarde. Supposons, je te fais... Tu vois, GT c'est pas mauvais. Je vais te faire ma métaphore magnifique. On te sert une entrée de 4 étoiles avec Dragon Ball de base. Il y a un mec qui arrive avec un plat 2 étoiles avec Dragon Ball Z. Ensuite, il y a un mec qui chie sur ton plat. Ça, c'est GT. Et après, il y a un mec qui vomit et qui rajoute des pustules par-dessus tout ça. Et t'es en mode, en fait, il était bon mon caca. Non, ça marche pas comme ça. Ça reste dégueulasse. Oh ouais, normal. Hein. Ça reste dégueulasse. Une métaphore de malade en partant avec des tacos. Ça me fait de l'air taco, il a rien à perdre son gameplay de top. Non mais vraiment, mais c'est vraiment, mais c'est le high risk high reward permanent. Sauf que bah, la bande 2000 commence à s'adapter. Le non contexte du caca. Si, c'était parfaitement en contexte. Là, il y a vraiment un contexte de malade. C'est-à-dire que t'es là, t'es tranquille, tu vois, c'est une métaphore, Chariot. Tu vois, pour le bac de français, normalement, t'as dû revoir ce que c'est. C'est ce qu'on fait une comparaison, mais c'est utilisé comme en fait, tout simplement. C'est aussi simple que ça.
Tu vois, c'est. Bah, tu vois, par exemple, quand. Comment il s'appelait quand il a dit en 2001, les patrons de l'Enterprise se fait caca de mes raviolis, qui s'appelait. Jaberkov. Faut que tu fixes ta coupe. Ouais, non, non, c'est bien. Allez, voilà. Voilà, regarde. Tu fais une phrase, voilà ce qui se passe. T'es fier de toi, Chariot? Oh, oh, non. Petite merde. Oh, mais on meurt? Ah non. On se serait mangé le retour du Hubby. Soit t'es magnifique. Side B? Ok, on fait. Bon, oui, on est pas sûr. Oh, on était pas sûr. Mitra, on pouvait. C'est Grand Dad. Grand Rad. Ah, ok, c'est Grand Rad qui est. Non, ça se faisait pas, mais là, on se prend pas le dé en plus. Non. Non. Non, non. Lui, il est là droit. Lui, il est à droit, lui. Il débute en off. Il est trop matrixé par le on. Et toi, ça faisait 5 ans que tu étais vanné dessus, donc. Mais là, regarde, le pressing s'arrête doucement, tu vois. Parce que tu commences enfin à toucher après 4 ans. Après 4 ans, mec. Non, mais. Imagine! C'est-à-dire que Gab est en train de passer le CM2. Il est en train d'essayer de mettre des. Non, t'es en train d'essayer de mettre des DR. Ah! Ah, par contre, le deuxième pierre qui est trouvé est Osmi. J'ai changé après le confinement. Osmi qui a un. Osmic! Oh, mais oui! Osmic! Je suis désolé, et Witako. La fausse main à Lion, hein, c'est le fabricateur de cette situation. Il en est fier, je peux te dire.